Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un grand homme de Dieu. But I have a call from the Almighty. Mais j'ai reçu un appel. Amen. Of the Almighty, the Lord. Trois frères forts, j'ai entendu la voix du Seigneur avec eux. You read about it. Vous avez déjà lu sur cela. Aussi longtemps là qu'il était dans les paroles. Frère Branham confirmed it. Et frère Branham l'a confirmé. The Lord Himself confirmed it throughout the last 44 years. Et le Seigneur lui-même l'a confirmé pendant ces 44 années qui sont passées. God has taken Brother Branham to glory. Dieu a repris Frère Branham dans la gloire. But the message given to him is with us today. Mais le message qui lui avait été donné est resté avec nous. Dieu a repris tous les prophètes et tous les apôtres. Mais la parole qui leur avait été révélée est restée avec nous. And I'm so grateful to Almighty God. Et je suis très reconnaissant au Dieu Tout-Puissant. You know all the servants of God in your country here. Savoir qu'il y a tous les serviteurs de Dieu dans votre pays. Who believe the same message? Donner le même message. In the same ministry, avoir part au même ministère, who stay within the limits of the word of God, et qui reste dans les limites de la parole de Dieu. My beloved brothers and sisters, our time is limited. Let us summarize what we try to say here today. Nous allons résumer ce que nous essayons de dire ici aujourd'hui. God gave promises in reference to the first coming of Christ. Dieu a donné des promesses en rapport avec la première venue de Christ. 109 promises were fulfilled at the first coming of Christ. 109 prophéties furent accomplies lors de la première venue de Christ. Everything was written in the scripture. Tout était écrit dans les Écritures. And in Luke chapter 24, dans Luc au chapitre 24, when our Lord first spoke to the two disciples, notre Seigneur avait parlé aux deux disciples. He began with Moses, the Psalms and the prophets. Il a commencé avec Moïse, les psaumes et les prophètes. And said all had to be fulfilled what was written about him. Et il leur a dit afin que tout soit accompli ce qui était écrit sur lui. Everything from the birth of the Savior to his ascension to heaven. Tout ce qui était en rapport avec la naissance du Seigneur et jusqu'à son ascension au ciel. Everything was written in the Old Testament. Tout était écrit dans l'Ancien Testament. Even where he would be born. Et même l'endroit où il devait naître. Micah chapter 5. Dans Michée au chapitre 5. 1-3. Au verset 1, 2 et 3. That he would be born in my Bethlehem. Que il naîtra à Bethlehem. The original word is not Bethlehem. Le mot original n'est pas Bethlehem. It's Bethlehem. C'est Bethlehem.
Let him eat bread. Let them eat le pain. Let them eat le pain. So in the house of bread, c'est ainsi que dans la maison du pain. He was the bread that came down from heaven. So his life, his ministry, c'est ainsi que sa vie, son ministère. Everything was according to the scripture. You just read Isaiah chapter 35. Vous pouvez lire dans Isaïe au chapitre Everything was written in the scripture. But the teachers of that day did not see it. Mais les anciens, les docteurs de ce temps-là n'avaient pas vu cela. Hear me, I say this in the name of the Lord. Écoutez-moi, je le dis au nom du Seigneur. All who bypassed the ministry of John the Baptist bypassed the ministry and the work of Christ. Tous ceux qui sont passés outre le ministère de Jean-Baptiste ne sont passés à côté du ministère de Jésus. Those who believe in the ministry of John the Baptist. Tous ceux qui ont cru le ministère de Jean-Baptiste, they went down to the river Jordan. Ils sont allés dans le fleuve Jourdain. They confessed their sins. Ils ont confessé leurs péchés. Et ils les ont tous baptisés. But the scribes refused to be baptized. Mais les scribes ont refusé d'être baptisés. John prepared the way of the Lord. Jean a préparé le chemin du Seigneur. Those who believed in the ministry of John the Baptist, followed in the ministry of Jesus Christ, and all who followed the ministry of Jesus Christ, were later added to the New Testament church. If we look to the 500 years in the past, si nous le regardons en arrière dans les 500 années qui sont passées, when God gave the first revival, quand Dieu avait donné le premier réveil, in the time of Reformation, au temps de la Réformation, from that time, depuis ce temps-là, there was revival after revival. Il y avait réveil après réveil. And every revival was already connected to the next revival. Chaque réveil était connecté au prochain réveil. Ainsi de suite. 100 years ago was the mighty outpouring of the Holy Spirit. Il y a de cela 100 ans, il y a eu l'effusion puissante du Saint-Esprit. And the World War II. Après la Deuxième Guerre mondiale, on May the 7th, 1946, le 7 mai 1946, I heard this from the lips of William Branham. J'ai entendu cela des lèvres même de William Branham plusieurs fois. When he gave his testimony, quand il donnait son témoignage, he said, I was sitting in the room. Et il disait, j'étais à cet endroit-là. I had my Bible on my lap. J'avais ma Bible sur mes jambes. And I was just reading the Holy Scripture. Et je lisais les Saintes Écritures. And suddenly the supernatural light came into the room. Et soudain, la lumière surnaturelle est entrée dans le lieu. And the angel of the Lord appeared.
appeared before him. Et l'ange du Seigneur lui est apparu. Mais moi, j'ai encore abîmé la pied. And Brother Branham stood to his feet. Et Frère Branham s'est levé. In the presence of such things you fear, you tremble. Dans toute la présence, vous tremblez et vous avez peur. And the angel said, don't fear. I'm sent from the presence of Almighty God to you. To give you the commission. And the angel said, as Moses was given two signs, two signs are given to you. God works in supernatural ways. Like it was at the beginning of the New Testament, even at the birth of the Savior, all heaven came down. The angels were singing. The night was illuminated all over Bethlehem. And the announcement was made. In Luke chapter 2, verse 11. Today Christ the Lord is born in the city of David. When God fulfills promise, heaven comes down. Contre toutes les interprétations. Every interpretation originates with the enemy. Chaque interprétation a son origine dans l'ennemi. Every brother who comes up with an interpretation draws disciples and friends. Chaque frère qui vient avec une interprétation conduit les gens vers lui. Every ministry God placed into the church, chaque ministère que Dieu a placé dans l'église, unites us with Christ and unites us with one another. Nous unit à Christ et nous unit les uns les autres. Don't follow a man. Ne suivez aucun homme. Dear Lord, I dedicate my life to your service. Cher Seigneur, j'ai remis ma vie pour ton service. But let me preach your word in such a way. Mais permets-moi de prêcher ta parole de telle manière. That everyone that hears your words through my lips, que toute personne qui écoutera ta parole par ma bouche, will avail himself of the possibility, and I would like to see them in it. Puisse avoir la possibilité d'être avec moi dans la gloire. Eternity is very long. And the decision you make today will be for all eternity. Et la décision que vous faites aujourd'hui sera pour toute l'éternité. Jesus Christ,
stands at the door and knocks. Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe. Jésus-Christ a terminé de vous faire à mon état. Comme vous savez que vous ne le renvoyez pas. Open the door. Open the door. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. I tell you why. Je vous dis pourquoi. Because in Matthew chapter 25, parce que dans Matthieu chapitre 25, oui, c'est la matin, mon capra, verse 11, au verset 11, there are those who will knock at the door. Il y en aura qui vont frapper à la porte. If the Lord knocks now, si le Seigneur frappe maintenant, if you don't open your heart, et que vous n'ouvrez pas votre cœur, you cannot be prepared for the return of Christ. Vous ne serez pas préparé pour le retour de Christ. If you open your hands, si vous ouvrez votre cœur, he will come to you. Il viendra à vous. He will sacrifice. But if you reject him now, si vous le rejetez maintenant, when he knocks, then you will be the one to knock then. Alors vous serez ceux-là, celui-là qui va m'attendre ce temps-là. Those who open the door of the heart now, ceux qui ouvrent le cœur, la porte de leur cœur maintenant, they will have an open door at that day. Ils auront la porte grande ouverte en ce jour-là. Vous pourrez écouter et vous donner la main. My beloved brothers and sisters, believe the word of God. Voyez la parole de Dieu. Believe every promise. Stay within the word of God. I just need to mention this. There are different teachings within the message of the hour. Il y a des enseignements différents dans le message de l'heure. I suffer because of the burden. Amen. Let me tell you this. Permettez-moi de dire ceci. If there is no promise in God's word, s'il n'y a pas de promesse dans la parole de Dieu, there will be no fulfillment. Il n'y aura pas d'accomplissement. In the USA, the brothers expect Brother Brandon to rise. Aux États-Unis, il y a des frères qui espèrent que Brother Branham va ressusciter. They expect a tent ministry. Ils espèrent qu'il y aura un ministère de la tente. They expect many ministries. Ils espèrent beaucoup de choses. I repeat. Je répète. If there is no promise for anything in this book, s'il n'y a pas de promesse pour quoi que ce soit dans ce livre, there will be never a fulfillment. God only watches over his word. I beg you in the name of the Lord Jesus Christ, who shed his blood on the cross of Calvary. Out of love he gave his life. Il a donné sa vie pour nous afin que qui vont mourir pour la vie. Please stay within the word of God. S'il vous plaît, restez avec la parole de Dieu. Many brothers say, the prophet said, the prophet said. Plusieurs frères disent, le prophète a dit, le prophète a dit. And they say things out of context. Et ils prennent des choses en dehors de leur contexte. I give you only one example. Je vous donne un seul exemple. The most foolish statement they use was given. La déclaration la plus folle qu'ils utilisent est celle-ci. Il aurait volé ma When Brother Branham was preaching in Phoenix, Arizona, quand Brother Branham a
avait prêché à Phoenix en Arizona. I was a Branham Mater in Phoenix, Arizona, and he loved that city and the church so much. Et il aimait tellement cette ville et cette église-là. And then he made the statement, I will return. Et il a fait la déclaration suivante, je vais revenir. And from this, the brothers say, he will return and have a ministry. Et à partir de là, les frères disent qu'il va revenir pour continuer son ministère. They do it purposely. Ils le font avec objectif. Many are deceived by religious spirits. Il y en a plusieurs qui sont séduits par les esprits religieux. I have to stay with the word of God. Je dois rester avec la parole de Dieu. I could say many things, but we shall stop here. Je peux dire beaucoup de choses, mais nous allons nous arrêter. But finally and once again, I ask you. Et encore, je vous demande une fois de nouveau. Recognize the day, recognize the message. Vous connaissez le jour et vous connaissez le message. Know that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Vous connaissez que Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. This is the time of restoration of all things. Que maintenant c'est le temps de la restauration de tout. Believe that God has sent Brother William Branham. Croyez que Dieu a envoyé Frère William Branham. As a man sent from God, un homme envoyé de Dieu, with the message of God, avec le message de Dieu, to the people of God, le peuple de Dieu. Don't listen to any other brother. N'écoutez aucun autre frère. Who comes with strange teachings and revelations? Qui viendrait avec des enseignements étrangers, des révélations étrangères? Stay within the word of God. Because you are part of that word of God. So if I don't see you on earth again, I wish to see you again. When the trumpet will sound, some say the Lord is already come. When he comes, I will come. Let us stand and pray. Nous allons nous lever et on va prier. De côté les mains de la I know that your brothers ordained God to the ministry. Mais je crois que Dieu a ordonné nos frères ici au ministère. And they share the word of God with you. Et ils partagent la parole de Dieu avec vous. How many wish to be ready when the Lord Jesus returns? Combien veulent être prêts quand le Seigneur Jésus Christ revient? Everybody, and we have the promise. Et nous avons la promesse. Our Lord said in John chapter 14. Notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 14. I want to prepare the place. Je m'en vais vous préparer une place. Then I will return. Et je reviendrai. And I will take to where I am. Et je vous prendrai avec que vous soyez là où je suis. According to 1 Corinthians 15. Selon 1 Corinthiens chapitre 15. The Lord will return. Le Seigneur reviendra. We shall be changed. Et nous serons transformés. According to 1 Thessalonians 4. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. The Lord will return. Le Seigneur reviendra.
somebody. And he will bring all those who died in Christ with him. Et il amènera tous ceux qui sont morts en Christ avec lui. And we who live in Christ shall be changed. Et nous qui vivons en Christ, nous serons transformés. But before the outside can be changed, the inside must be changed. Mais avant que l'extérieur soit changé, l'intérieur doit d'abord changer. Amen. If the inside is not changed now, si l'intérieur n'est pas changé maintenant, the outside will not be changed then. L'extérieur ne sera pas changé en ce moment-là. God made the promise in the Old Testament. Dieu a fait des promesses dans l'Ancien Testament. First in Jeremiah chapter 31. Spécialement dans Jérémie au chapitre 31. I will make a new covenant with you. Je ferai une nouvelle alliance avec vous. I will give you a new heart. Je vous donnerai un nouveau cœur. A new spirit, un nouvel esprit, a new life, une nouvelle vie. Do you wish to have these three things? Est-ce que vous désirez recevoir ces trois choses? A new heart, un nouveau cœur, a new spirit, un nouvel esprit, the Holy Spirit, le Saint-Esprit. Amen. A new life, une nouvelle vie, the life of Christ. Amen. Amen. The word of God guarantees you. La parole de Dieu vous garantit. Whatever you believe, tout ce que vous croyez, that God promised in His word. Que Dieu a promis dans sa parole. If you believe it now, si vous croyez cela maintenant, if you believe it now, si vous la croyez maintenant, you receive it now. Vous recevez maintenant. If you have it. Que Dieu vous bénisse. Amen. I will pray for you. You will pray for you. You will pray for you. Amen. And as I said, if I don't see you on earth, I see you in glory. Comme j'ai dit auparavant, si je ne vous vois plus sur la terre, je vous verrai dans la gloire. Une fois encore, je voudrais voir toute la congrégation. God has blessed your country. Dieu a béni votre pays. There is a great harvest of souls in your country. Il y a une grande moisson d'âmes dans votre pays. Amen. Amen. Our brothers have sown the good seed of the word. Nos frères ont semé la bonne semence de la parole. And you're the harvest. Et vous êtes la moisson.